Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci encore pour votre patience et pour votre invitation. Alors, je vais beaucoup parler de la Catalogne, mais il ne faut pas prendre la Catalogne comme un résumé de tout ce qui se passe en Espagne. Une partie de ce qui se passe en Espagne se déploie, se déroule en Catalogne, mais il ne faut pas partir du principe que chaque citoyen du reste de l'Espagne n'a aucune autre préoccupation que ce qui se passe en Catalogne et concrètement, aucune autre préoccupation que les derniers actes du président destitué, probablement réinvesti, Carles Puigdemont. Il y a d'autres difficultés en Espagne. Tout simplement, pour commencer, la crise économique qui frappe le pays et beaucoup d'autres pays d'Europe, entre autres, depuis 2008, et dont les effets se font cruellement sentir dans l'ensemble de l'Espagne, Catalogne comprise. Alors, un petit rappel. Être indépendantiste, et on peut ajouter différents adjectifs derrière être indépendantiste, parce qu'il y a d'autres mouvements indépendantistes en Espagne que celui qui existe depuis longtemps en Catalogne, puisqu'il y a plusieurs partis indépendantistes au Pays Basque et un parti indépendantiste en Galice. Donc, être indépendantiste, c'est à mon sens vouloir l'indépendance, ça paraît logique, mais pas nécessairement n'importe quand, ce qui veut dire pas nécessairement dans n'importe quelles conditions. Il y a une aspiration indépendantiste dans ces trois communautés autonomes d'Espagne que j'ai mentionnées à l'instant, en Catalogne bien sûr, au Pays Basque et en Galice, avec à chaque fois des configurations politiques, des rapports de force spécifiques à chaque communauté autonome et bien sûr un rapport de force différent entre ces partis indépendantistes, ces mouvements indépendantistes et le gouvernement central espagnol. Être indépendantiste, catalan, basque ou galicien, ce n'est pas automatiquement être de gauche, de droite ou du centre, parce que vouloir un État, ça ne précise pas, ça ne fixe pas le modèle de société que l'on veut bâtir une fois l'indépendance obtenue. Surtout, si l'essentiel du débat concernant l'indépendance porte non pas sur ce que l'on veut dans un pays indépendant, ce que l'on veut une fois l'État créé, mais sur les conditions d'obtention de l'indépendance, et c'est précisément le cas en Catalogne. Le débat porte rarement sur le contenu de l'indépendance. Enfin, les deux axes de la vie politique catalane restent valables aujourd'hui. Ils étaient valables à la veille des élections catalanes du 21 décembre dernier. Ils restent valables aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement l'axe que l'on dit national, avec aux deux extrémités la Catalogne, l'attachement à la Catalogne, et de l'autre côté l'attachement à l'Espagne. Il y a aussi, et il reste pleinement valable, l'axe droite-gauche, comme dans tout pays normal. Et cet axe droite-gauche, il divise non seulement les partis politiques catalans, mais il divise aussi ceux qui soutiennent l'indépendance et ceux qui s'y opposent. Alors, quel est le territoire en jeu, au moins dans le cas de la Catalogne? La revendication de l'indépendance porte logiquement sur le territoire de la communauté autonome de Catalogne qui regroupe 7,5 millions d'habitants. Seulement, ça n'empêche pas de voir plus loin. Et plus loin, dans le cadre du nationalisme catalan, ce sont les pays catalans, c'est-à-dire les territoires qui ont appartenu
dans le passé à ce qu'on a appelé la couronne d'Aragon, la couronne catalano-aragonaise. Et ça représente non seulement la communauté autonome de Catalogne, mais aussi le département français des Pyrénées-Orientales, sur lequel officiellement Calès Puigdemont n'a rigoureusement aucun projet. La frange orientale de l'Aragon, c'est ce que vous voyez ici, parce que l'on y parle catalan. La communauté autonome de Valence et la communauté autonome des Baléares. La couronne d'Aragon a été implantée ailleurs, par exemple dans une partie de la Sicile, dans une partie de l'Afrique du Nord, mais les pays catalans, qui sont officiellement revendiqués comme territoire politique, et pas seulement comme territoire culturel, par l'un des partis explicitement indépendantistes siégeant au Parlement catalan, y compris le nouveau. Mais officiellement, la revendication, celle de Carles Puigdemont, celle du parti ERC, qui faisait partie de l'ancien gouvernement catalan. Donc officiellement, il ne s'agit pour eux que de revendiquer un État pour la communauté autonome de Catalogne. Mais c'est vrai, ces territoires sont unis par une pratique du catalan, même si ça ne veut pas dire que l'espagnol n'a aucune place. Hein. Bien évidemment, on parle aussi l'espagnol. Bon, Pyrénées-Orientales, c'est particulier, mais dans l'ensemble de ces territoires. Il importe de bien comprendre que ni les élections catalanes du 21 décembre dernier, ni plus généralement l'affaire catalane, la question catalane, ce n'est pas d'abord une question institutionnelle. C'est d'abord l'affaire des citoyens. Et c'est aussi pour ça qu'il est intéressant, qu'il est nécessaire que l'on ait cette discussion aujourd'hui. Et le fait que l'indépendance soit l'affaire de tous les citoyens, quel que soit ce qu'ils pensent de l'indépendance, ça a été rappelé avec une très grande force par les électeurs catalans, avec la participation absolument inédite pour ce type de scrutin de près de 82% des inscrits lors des élections du 21 décembre dernier pour reformer le Parlement de Catalogne. Habituellement, pour les élections qui ne concernent que la Catalogne, la participation est plus faible que pour les élections qui concernent toute l'Espagne, parce qu'une partie des électeurs ne se sentent pas assez catalans pour participer à ces élections et, de fait, boudent ce type de scrutin alors qu'ils votent pour les législatives espagnoles. Mais ça, c'est en train de changer. Ça a commencé à changer en 2015 avec les dernières élections, les précédentes élections au Parlement catalan, et ça a clairement changé le 21 décembre 2017. Je le disais, la Catalogne n'est pas l'unique communauté autonome d'Espagne où il existe un sentiment indépendantiste. C'est aussi le cas, je l'ai dit, au Pays Basque et en Galice. Et que ce soit en Catalogne, au Pays Basque et en Galice, il est déjà arrivé que des partis explicitement indépendantistes gouvernent ou participent au gouvernement régional. Sur cette carte qui est en anamorphose, les différentes communautés autonomes d'Espagne, les 17 communautés autonomes d'Espagne, ont une taille qui correspond non pas à leur taille réelle, mais à leur représentation au Congrès des députés de Madrid. Comme c'est lié à la population, plus la communauté autonome est peuplée, plus elle a de députés au Parlement de Madrid. La Catalogne, vous le voyez, est plus peuplée que le Pays Basque, clairement. Là, à peu près trois fois plus d'habitants. Elle est davantage peuplée également que la Galice, ce qui veut dire que
la Catalogne, ce n'est pas la seule communauté autonome où il y a un mouvement indépendantiste, mais c'est de loin la plus peuplée. Vous avez peut-être entendu que la Catalogne, c'est aussi la région la plus riche d'Espagne. Ça a longtemps été vrai. C'est aujourd'hui l'une des plus riches en Espagne, mais c'est aussi l'une des plus endettées. Et ces dernières décennies, la Catalogne, qui a été le moteur économique de l'Espagne, la première région en Espagne de loin à être industrialisée dans un pays, l'Espagne, qui est restée longtemps très rurale. Mais ces dernières décennies, la communauté autonome de Madrid en particulier et les communautés autonomes du Pays Basque et de la Navarre ont fait un rattrapage économique très puissant qui explique qu'en 2016, en termes de PIB par habitant, la Catalogne était non pas au premier rang, mais au quatrième, avec au premier rang Madrid, au deuxième le Pays Basque, au troisième la Navarre. Pour revenir à la question indépendantiste, il est très important de comprendre que le nationalisme basque et le projet d'un État au Pays Basque, il a été renforcé sur le plan politique par l'abandon de la violence armée par ETA en 2011, après plus de 800 morts, la plupart une fois la démocratie rétablie en Espagne. Parce qu'à partir de 2011, l'indépendantisme basque ne peut plus être considéré comme d'abord un problème policier, il devient intégralement, ou presque intégralement, un problème politique. Et de fait, sur le plan électoral, les partis indépendantistes sont plutôt en croissance ces dernières années, donc depuis 2011 au Pays Basque. Et ces partis indépendantistes basques, en particulier le parti Bildu, qui est un parti indépendantiste d'extrême gauche, ont clairement soutenu le référendum catalan du 1er octobre et la déclaration d'indépendance ultérieure de la Catalogne. Je l'ai dit, la crise catalane, qui est une partie de la crise espagnole, n'est pas une affaire purement institutionnelle, c'est d'abord une affaire citoyenne. J'ajouterais que ce n'est pas non plus, malgré l'image qu'ont pu en donner certains médias, ce n'est pas non plus la simple affaire d'un duel entre Carles Puigdemont et Mariano Rajoy, un duel qui correspondrait à deux groupes absolument unifiés de part et d'autre, avec des Catalans partisans de l'indépendance qui seraient tous d'accord sur tous les points avec Carles Puigdemont et d'autres Catalans opposés à l'indépendance qui seraient tous d'accord avec Mariano Rajoy, président du gouvernement espagnol et leader du Parti populaire. Non, loin s'en faut. Tout d'abord, ce sont deux présidents qui n'ont pas, avec leur seule force, la seule force de leur parti, de majorité absolue. Carles Puigdemont n'en avait pas avec sa coalition entre 2016, quand il a été investi, et avant d'être destitué. Il avait besoin d'un autre parti indépendantiste d'extrême gauche qui s'appelle La Coupe. Mais à l'échelle cette fois de l'Espagne, comme vous le voyez sur l'hémicycle espagnol qui est à droite de l'écran, le Parti populaire non plus n'a pas de majorité absolue au Congrès des députés de Madrid, au Parlement espagnol. C'est pourquoi il a eu besoin, d'une part, d'un parti au départ catalan opposé à l'indépendance, dont vous avez beaucoup entendu parler, Ciudadanos, et il a encore besoin, pour approuver le budget, par exemple, pour l'année suivante, de l'appui de partis nationalistes, par exemple, basques, et de l'abstention d'une partie des socialistes.
Cela veut dire, et ce n'est pas si technique que ça en a l'air, qu'on peut très bien être catalan, rejeter l'indépendance et rejeter aussi bien, éventuellement avec la même énergie, Mariano Rajoy, qui est aussi le leader d'un des partis les plus corrompus d'Espagne et le seul président de gouvernement espagnol à avoir dû, pendant son mandat, témoigner devant un tribunal, ce qui a eu lieu pour Mariano Rajoy en juillet 2017, dans l'une des grosses affaires qui secoue le Parti populaire, à savoir l'affaire Gürtel. Et puis il y a une autre raison pour laquelle on peut rejeter les deux dirigeants à la fois, c'est que les deux dirigeants ont été aussi des artisans de l'austérité, l'un à l'échelle de la Catalogne, et l'austérité en Catalogne a commencé un petit peu plus tôt, dès la fin 2010, qu'elle n'a commencé à l'échelle de l'Espagne, puisque ça a été fin 2011, lors de l'arrivée au pouvoir du Parti populaire. Et ces mesures d'austérité ont été assez mal ressenties en Espagne, Catalogne comprise. Maintenant, il est important de revenir un petit peu brièvement, mais en arrière, pour rappeler que sous le franquisme, l'autonomie catalane a été une revendication démocratique de plus, au même titre et de manière indissociable que le retour de la démocratie en Espagne, qui a été brisé par le coup d'État du 18 juillet 1936, et du retour de l'Espagne, Catalogne comprise, en Europe. Sur cette photo d'une manifestation massive du 11 septembre 1976, qui correspond à la première fête nationale catalane légalisée mais pas sans danger, parce que Franco était mort l'année précédente, mais tous ses partisans en Catalogne, eux, étaient bien vivants et bien actifs. Donc dans cette manifestation extrêmement importante du 11 septembre 1976, ces trois revendications, l'autonomie catalane, la démocratie en Espagne et le retour de l'Espagne en Europe, étaient un seul cri, et un cri extrêmement important. Et c'est cette même aspiration qu'a porté le premier président de la Generalitat, président de la Generalitat provisoire, Josep Tarradellas, qui est revenu d'exil à l'automne 1977, qui a prononcé sur la place de Sant Jaume, donc la place où se trouve le palais de la Généralité catalane, un discours très célèbre: citoyen de Catalogne, je suis revenu. Ciutadans de Catalunya, ja estic aquí. Et dans les partisans, dans tous ceux qui acclamaient ce jour-là Josep Tarradellas, il y avait des gens qui aujourd'hui exigent l'indépendance, c'est vrai, mais il y avait aussi des Catalans qui aujourd'hui, tout en se sentant catalan, tout en étant attaché à la langue catalane, à son drapeau, rejette ce même projet d'indépendance. Donc surtout, n'ayez pas l'impression que on assiste aujourd'hui à une répétition à l'identique de la guerre civile et des rapports de force à l'œuvre sous le franquisme. On peut très bien avoir lutté contre le franquisme, avoir pris des risques personnels contre le franquisme et aujourd'hui considérer que les Catalans auraient plus à perdre qu'à gagner dans un État indépendant. Il y a un certain nombre de digues dans l'indépendantisme catalan.
et elles sont très importantes pour l'Espagne, pour toute l'Espagne. L'une de ces digues, ça a été le refus de la violence armée pour obtenir un État indépendant de Catalogne. Et ce refus, il est vraiment venu de la population parce que les quelques tentatives d'action armée qui ont existé au sein de l'indépendantisme catalan dans les années 1970 à 1990, c'est-à-dire au départ dans la clandestinité sous le franquisme, aucune de ces tentatives n'a reçu le moindre soutien populaire en Catalogne, à la différence de ce qui a pu se passer au Pays Basque à une époque révolue. Et sous le franquisme, le parti le plus important dans la lutte contre le régime, il n'existe plus aujourd'hui, en tout cas plus dans l'arène politique, dans l'arène électorale, c'était le parti socialiste unifié de Catalogne, autrement dit les communistes catalans, qui ont été extrêmement importants dans les dernières décennies, les dernières années du franquisme, et qui étaient un des très rares partis non étatiques à être inscrits à l'international. Or, ce parti a quitté assez rapidement l'arène électorale. Il a été puissant juste après le franquisme, puissant dans les premières élections à se tenir après la mort de Franco. Vous le voyez, c'était un parti qui utilisait indifféremment le catalan que vous voyez sur la fiche qui est en haut à droite et l'espagnol que vous voyez en bas à droite. Mais ce parti a disparu. À la place, il y a eu le développement des socialistes de Catalogne. Donc, un parti a disparu. À gauche, ce sont les communistes catalans. À droite aussi, un parti a disparu en Catalogne. C'était le parti Union du Centre démocratique, un parti en partie partiellement issu du franquisme. Et la coalition dont est issu Carles Puigdemont, qui a longtemps, très longtemps, pendant 30 ans, refusé officiellement toute idée d'indépendance, s'est appuyé sur un très efficace travail de terrain, mais aussi sur la disparition de ses adversaires, de son adversaire à droite. Et vous voyez ici deux cartes électorales avec les mêmes éléments de comparaison. Donc 1980, première élection au Parlement catalan après la mort de Franco et après l'approbation de la Constitution espagnole, et 2010. Donc 30 ans entre les deux, 30 ans décisifs pour implanter électoralement la coalition qui s'appelait à l'époque CIU, Convergence et Union, qui ensuite a changé de nom, et qui est celle de Carles Puigdemont aujourd'hui. Et pendant ces 30 ans, le parti, que ce soit en Catalogne, à l'échelle de l'Espagne et à l'échelle de l'Union européenne, n'a pas dit un mot d'indépendance. Et il a construit, notamment comme cela, tout en ayant des indépendantistes dans ses rangs, avec d'autres courants politiques, une hégémonie. Et l'un des artisans de cette hégémonie, sinon le principal artisan, ça a été l'ancien président catalan Jordi Pujol, au pouvoir de 1980 à 2003, sans interruption, un démocrate chrétien, polyglotte, issu de la bourgeoisie catalane et qui a capitalisé sur la crainte que pouvait susciter la gauche, qu'il s'agisse de la gauche catalane, les communistes catalans dont j'ai parlé, ou la gauche espagnole, puisque
il a obtenu sa première majorité absolue au Parlement catalan en 1984, quelques années après l'arrivée au pouvoir en Espagne de Felipe González, leader du PSOE. Il refusait, dans tous ses discours publics, de parler d'indépendance et n'a officiellement adopté cet objectif en présentant ça comme une résignation. En avril 2011, dans une conférence, et avril 2011, c'est important comme date parce que c'est un moment politique très favorable à son parti qui venait d'obtenir pour la toute première fois la direction des quatre provinces catalanes, c'est-à-dire pour la première fois celle de Barcelone, de loin la plus peuplée de Catalogne, la plus riche aussi. Et il partait favori pour les élections, pour les législatives espagnoles en Catalogne. Législatives qu'il a effectivement remportées. Ça veut dire que les indépendantistes d'aujourd'hui n'ont pas forcément été toute leur vie, au moins officiellement, indépendantistes. Et ce projet d'indépendance, et ce que je dis est intimement lié à l'histoire de toute l'Espagne. Ce projet d'indépendance a été indissociable d'une foi européenne, d'un engagement européen de tous les instants de la part des dirigeants politiques catalans, quel que soit leur parti politique, y compris évidemment les partisans d'une indépendance qui était très discret dans l'expression publique, mais qui existait. La Catalogne a créé un organisme pour défendre ses intérêts à Bruxelles dès 1982. Alors c'est un peu étonnant parce que l'Espagne n'a rejoint la CEE qu'en 1986. N'empêche que 4 ans avant, pour le symbole, et le symbole compte en Catalogne, la Catalogne a créé à Barcelone un organisme pour représenter ses intérêts européens et sa foi européenne. Et dès 1986, cet organisme a quitté Barcelone pour Bruxelles. Et depuis cette date, la Catalogne n'a cessé d'être représentée directement et en permanence à Bruxelles. Cette représentation a été de plus en plus institutionnelle. Mais avant fin 2012, cette représentation n'a jamais dit un mot d'indépendance et bien au contraire, les dirigeants catalans successifs, jusqu'à Artur Mas avant fin 2012, ont toujours joué la coopération à Bruxelles, c'est-à-dire laissé en Espagne les conflits qui pouvaient les opposer au gouvernement central d'une part, aux autres communautés autonomes d'Espagne d'autre part. Et ça, ça a marché. Ça a marché parce que ça a fait de la Catalogne une région modèle dans l'implication des régions à compétences législatives dans l'Union européenne, et pas seulement en Espagne, pour toute l'Union européenne. Et ça, ça a changé fin 2012, lorsque Artur Mas, président catalan réélu, a pour la première fois présenté le projet d'État à Bruxelles, avec un accueil assez tiède, pour ne pas dire glacial, des plus hauts dirigeants européens. Cet indépendantisme, c'est donc une évolution. On en a un autre exemple avec ERC, le deuxième des partis politiques indépendantistes catalans. C'est un parti ancien puisqu'il a été, il est né un peu avant la Seconde République espagnole, en 1931. Mais après la mort de Franco, une fois légalisé, le parti n'était pas officiellement indépendantiste. Il ne l'est devenu qu'en 1992, dans ses statuts, à la faveur de la chute du mur de Berlin, de la chute de l'URSS et du fait que plusieurs frontières
en Europe soit redessinée, et redessinée, c'est très important, de façon pacifique. Donc la chute du mur de Berlin était vraiment un tournant, non seulement pour ce parti catalan, qui a adopté officiellement l'indépendantisme, mais pour l'ensemble des partis politiques catalans, parce que ça a montré qu'en Europe, dans certaines conditions, les frontières peuvent bouger de façon pacifique. Simplement, aucune élection catalane ne portait de près ou de loin sur l'indépendance jusqu'à 2012. Ce qui veut dire que chaque parti devait se positionner autrement pour faire la différence et conserver ou augmenter ses suffrages, donc sa représentation. Un exemple concret, les législatives espagnoles de 2000. Vous voyez ici un sondage fait auprès d'électeurs catalans après ces élections sur leur préférence, c'est une question extrêmement récurrente en Catalogne, sur l'avenir institutionnel de la Catalogne. Et parmi les électeurs du Parti populaire pour ce scrutin de 2000, les partisans de voir la Catalogne transformée en région d'Espagne, donc perdre l'autonomie, mais perdre clairement l'autonomie, et devenir une région d'Espagne, on trouvait 13% des électeurs du Parti populaire. Pas 70, pas 80, 13%. Et les partisans, toujours parmi ces électeurs du Parti populaire de l'indépendance catalane, étaient 12%, pratiquement le même pourcentage. Inversement, pour ERC, qui était officiellement pro-indépendance, ceux qui souhaitaient voir la Catalogne transformée en région d'Espagne étaient 5%, ce n'est pas très surprenant, mais ce qui l'est plus, c'est que les partisans d'une indépendance catalane, à ce stade, étaient 47% parmi ceux qui avaient voté ERC pour ce scrutin. Autrement dit, dans les deux cas, le débat politique ne portait pas à proprement parler, et certainement pas en premier lieu, sur l'indépendance. Ce mouvement indépendantiste n'en a pas moins augmenté de diverses façons. L'une des façons dont il a augmenté, ça a été la judiciarisation des rapports de force à l'échelle de l'Espagne, non seulement entre la Catalogne et le gouvernement central espagnol, mais aussi entre la Catalogne et d'autres communautés autonomes d'Espagne, qu'elles soient dirigées par la gauche ou par la droite. Et les différents recours devant le tribunal constitutionnel contre la réforme du statut d'autonomie catalan de 2006 en sont un exemple clair. Alors, il y a un recours qui est le plus connu, celui qu'a déposé le Parti populaire en tant que parti espagnol contre ce statut, qui avait été approuvé en référendum en 2006 et appliqué. Et le tribunal constitutionnel a tardé 4 ans pour statuer sur ce recours et n'a statué que qu'en juillet 2010, en censurant une quinzaine d'articles clés du statut d'autonomie, qui en comprend plus de 200. Réinterpréter une vingtaine d'autres. Et il y a eu une très forte manifestation au lendemain de cet arrêt à Barcelone, le 10 juillet 2010, dans laquelle l'indépendance était l'un des slogans, mais il n'y avait pas de mouvement massif d'évidence de l'accès proche, l'accès rapide de la Catalogne à un État. N'empêche qu'on en parlait. On en parlait de diverses façons. Par exemple, et c'est moins connu, sous la forme de consultations locales sans valeur légale sur l'indépendance. Vous le voyez,
voter sur l'indépendance sans que ça n'ait de conséquences institutionnelles, ce n'est pas si inédit en Catalogne ces dernières années. Il y a eu, dans les, disons, 950 municipalités catalanes, plus de 500 municipalités dans lesquelles il y a eu un vote sur l'indépendance. Ce vote sur l'indépendance a été très majoritairement conclu par un appui à l'indépendance, mais il est intéressant de voir dans quel territoire de Catalogne il y a eu le plus de ces consultations locales. C'est ce que qu'expriment les aplats de couleurs les plus foncés sur cette carte. Donc entre 2009 et 2011, plus la circonscription est en rouge foncé, plus les consultations ont été nombreuses. Et les cercles orange et blanc que vous voyez sur la partie ouest de la, sur une grande partie ouest de la carte, correspondent au lieu où CIU, les nationalistes catalans, ont les appuis les plus solides. Là où ils ont obtenu plus de au moins 25% des inscrits à chaque élection, sans exception, de 1984 à 2012. Donc les endroits où vraiment les autres partis, notamment opposés à l'indépendance, se sentent très seuls. Eh bien, vous le voyez, les deux indicateurs, les consultations et le vote CIU peuvent correspondre, par exemple ici, dans les Pyrénées, mais dans la région, dans l'aire métropolitaine de Barcelone, la région la plus densément peuplée, celle aussi où l'on parle le plus l'espagnol et le moins le catalan, il y a eu un nombre important de consultations alors qu'on n'est pas du tout dans les territoires qui votent habituellement CIU. Donc, le mouvement indépendantiste s'est aussi étendu par des associations, celles qui faisaient les consultations, et pas uniquement par les partis politiques. Alors, comme j'ai certainement excédé mon temps et qu'entre-temps, il y a eu une nouvelle élection, donc vous voyez ici les résultats des principaux partis catalans et vous voyez qu'ils sont assez oscillants, assez irréguliers. Junts pel Sí, ça a été la coalition, donc au départ c'est CIU, ensuite ça a été Junts pel Sí, une coalition en 2015, et là aussi vous voyez les résultats sont assez irréguliers, surtout ces dernières années. On pourra revenir sur cette courbe. Mais surtout, il faut bien comprendre que les partis indépendantistes se sont appuyés sur la chute des grandes forces politiques catalanes, le PSUC, dont j'ai parlé au début, d'abord, puis les socialistes de Catalogne, notamment en s'éloignant de plus en plus de leur électorat populaire de base et en se rapprochant un peu trop des indépendantistes catalans. Et ce vide, qui est aussi la chute des grands idéaux en Catalogne, a été occupé par une partie de l'indépendantisme catalan. Enfin, il y a eu la manifestation du 11 septembre 2012 pour la fête nationale catalane, qui a été un tournant pour le mouvement indépendantiste catalan. Lors de cette manifestation, on pouvait soutenir son parti politique, son association, mais on pouvait aussi aller de son propre chef, sans aucun organisme pour vous y inciter, participer à cette manifestation qui a été massivement pour l'indépendance, mais aussi contre l'austérité, qu'elle vienne de Madrid ou du gouvernement catalan. Et dès le lendemain, il y a eu l'idée qui est devenue un leitmotiv de la part du gouvernement catalan et des associations pro-indépendance, que ce jour-là, la Catalogne avait fait l'histoire, que le peuple catalan avait initié une marche inéluctable vers l'indépendance, qu'elle n'était pas seulement juste, mais qu'elle était certaine et proche.
Et ce discours de l'indépendantisme catalan sur l'histoire, il est très important. Il s'appuie aussi sur l'idée d'une antériorité démocratique de la Catalogne par rapport à l'Espagne et sur le fait qu'il y a eu des institutions de gouvernement propres à la Catalogne dans le cadre de la couronne d'Aragon, dont une forme de parlement médiéval, les Corts Catalanes, créé en 1283 pour discuter certaines affaires du gouvernement, non pas catalan, mais du gouvernement de la couronne d'Aragon. Et la généralité de Catalogne a été créée en 1359 et le gouvernement catalan porte depuis 1979 officiellement ce nom qui est tiré du Moyen-Âge. Et Carles Puigdemont ne manque aucune occasion de rappeler qu'il est le 130e président de la Généralité. Et pour ces élections du 21 décembre 2017, il était candidat officiellement non pas à une simple élection comme président catalan, il était candidat comme pour sa restitution comme 130e président de la Généralité. Restitution non seulement par rapport à sa destitution après la déclaration d'indépendance, mais restitution sur une échelle de temps beaucoup plus longue comme président catalan légitime et comme incarnation de ces institutions historiques de la Catalogne. Alors, excusez-moi, il y a une... Pardon. Bon, l'indéniable capacité de mobilisation, vous l'avez mesurée. Je l'ai dit, les partis et les associations se sont avérés complémentaires, pardon, pour étendre l'indépendantisme, notamment là où il n'était pas anciennement implanté. Et lorsque, pour la première fois, en 2012, en novembre 2012, il y a une élection catalane portant essentiellement sur l'indépendance, eh bien, le principal parti nationaliste catalan, CIU à l'époque, est arrivé en tête, certes, mais a perdu en partie l'hégémonie dont il bénéficiait lorsqu'il excluait officiellement l'indépendance, ce qui a conduit à une augmentation de ses suffrages dans la Catalogne intérieure, qui est aussi la Catalogne la moins densément peuplée, et un recul partiel de cette même coalition nationaliste, là où il y a le moins d'appui à l'indépendance, c'est-à-dire sur la façade méditerranéenne. Il y a eu d'autres temps forts de cet indépendantisme catalan, comme le référendum écossais du 18 septembre 2014, qui reste aujourd'hui de loin la référence idéale des mouvements indépendantistes en Europe, voire plus loin, pour diverses raisons. Bien sûr, il y a eu un référendum légal. C'est une excellente raison, c'est-à-dire que le gouvernement central du Royaume-Uni a accepté l'issue du référendum, quelle qu'elle soit, tout comme le gouvernement écossais, mais aussi parce qu'il y a eu énormément de débats sur le contenu de l'indépendance en Écosse avant le scrutin et une reconnaissance internationale, parfois mêlée d'inquiétude, mais en tout cas, une reconnaissance internationale du processus référendaire du référendum écossais. Et les indépendantistes catalans et basques et bien d'autres, mais ont été extrêmement présents pour défendre, certes, l'indépendance écossaise, mais aussi leur propre cause dans un contexte d'exposition internationale extrêmement forte de l'indépendantisme écossais. Alors, j'ai excédé le temps, je vais en venir à la
aux événements les plus récents. Donc après un scrutin déjà record par sa participation en fin septembre 2015, qui a permis la mobilisation de plus de 77% des inscrits catalans, et notamment des opposants à l'indépendance, parce que la différence est venue d'eux, clairement, tout comme dans une large partie, le 21 décembre 2017, l'effort de mobilisation est d'abord venu des opposants à l'indépendance. Alors, un mot sur sur une nouvelle concurrence électorale qui est Podemos. C'est une concurrence électorale à l'échelle de la Catalogne, bien sûr, mais aussi à l'échelle de l'Espagne. Podemos est aujourd'hui le troisième parti d'Espagne. Et il s'appuie notamment sur ses alliés, y compris en Catalogne, avec un discours qui remet en cause l'ensemble des institutions créées après l'approbation de la Constitution espagnole de 1978. Et le projet de s'appuyer sur la revendication de l'indépendance en Catalogne pour renverser la table, si on me passe l'expression, à l'échelle de l'Espagne. Et lorsque les scrutins portent d'abord sur toute l'Espagne, cela avantage l'allié catalan de Podemos, qui est Barcelona en Comú, la maire de Barcelone, qui vient du mouvement des indignés. Mais lorsque le scrutin porte d'abord sur l'indépendance, alors l'allié Podemos et son allié catalan passent au second plan, au profit, par exemple, de Ciudadanos, puisque une partie de l'électorat de Podemos, de l'allié catalan de Podemos pour les élections législatives espagnoles, avait voté quelques mois plus tôt pour Ciudadanos, cette fois dans un scrutin pour le Parlement catalan, le 27 septembre 2015, et pour rejeter l'indépendance. Ce qui veut dire que on peut en Catalogne voter différemment pour des partis très lointains, très, très différents, selon l'enjeu du scrutin. Alors, le 1er octobre, le scrutin, le référendum sur l'indépendance catalan s'est tenu malgré la répression policière, malgré l'interdiction réitérée de la justice espagnole, malgré l'intervention de la police et de la gendarmerie espagnole. Et le résultat a été massivement pour l'indépendance, mais la participation, dans un contexte de violence, il est vrai, a été inférieure à 50%. Et cette participation a été la plus forte là où les nationalistes catalans sont les plus anciennement implantés, à une exception près. Donc c'est ce que vous voyez, les résultats de la liste Jumpelsi, donc des indépendantistes en septembre 2015, et les... Alors, je suis désolé, en fait, c'est invisible et c'est un ratage total. Les deux indicateurs correspondent au lieu où les indépendantistes sont les plus anciennement implantés. Alors, il y a...
Il y a plusieurs dirigeants indépendantistes qui sont aujourd'hui en détention préventive, d'autres qui sont, vous le savez, en exil ou en tout cas en Belgique et sous l'effet d'un mandat d'arrêt de la justice espagnole. Et on a vu ces derniers mois ce symbole, donc exigeant le rapprochement des prisonniers catalans, donc leur déplacement en Catalogne. Et ce symbole est extrêmement identique dans ces codes au symbole bien plus ancien exigeant le déplacement vers le Pays Basque des prisonniers de l'ETA et qui sont détenus, pas préventivement, détenus après une condamnation dans l'ensemble de l'Espagne. Les indépendantistes se sont présentés séparément à ce scrutin. Mais du côté, et c'est l'une des nouveautés de ces derniers mois, du côté des opposants à l'indépendance, il y a non pas un seul, mais plusieurs partis politiques, on va dire un essentiellement, mais surtout, il y a plusieurs associations, et ces associations mobilisent de plus en plus, et font elles aussi des manifestations massives, y compris à Barcelone ou dans d'autres villes de Catalogne, contre l'indépendance. Et lors de ces manifestations, ces associations utilisent le catalan et l'espagnol, le drapeau catalan et le drapeau espagnol et le drapeau européen, souvent en mettant les trois ensemble. Et j'ai extrait cette citation d'un cofondateur de Ciudadanos, prononcée lors de la manifestation du 29 octobre 2017 contre l'indépendance. Admettre une frontière est une résignation, une défaite de la raison et de la justice. Mais il y a pis. Ériger une frontière là où il n'y en a pas, rendre étrangers ceux qui étaient des concitoyens, leur dire qu'ils ne sont pas dignes de décider ni de partager avec nous. Fin de citation. Alors, qu'est-ce qui a changé le 21 décembre 2017 ? Tout d'abord, outre la très forte mobilisation par laquelle j'ai commencé, le fait que pour la première fois dans un scrutin au Parlement catalan, un parti opposé à l'indépendance et plus largement opposé au nationalisme catalan arrive en première position, c'est, vous le savez, Ciudadanos, un parti né en Catalogne en 2006 et qui est aujourd'hui représenté au Congrès des députés de Madrid, qui est implanté dans l'ensemble de l'Espagne et qui espère bien, surtout après ses résultats catalans, déloger le Parti populaire et gouverner à son tour l'Espagne. Donc la première nouveauté, outre la participation, c'est ça. Ça n'a pas fondamentalement modifié le discours des dirigeants indépendantistes catalans, encore moins parmi eux celui de Carles Puigdemont. Les trois partis indépendantistes, vous le savez, ont conservé 70 des 72 sièges dont ils bénéficiaient. Donc, ils ont la majorité absolue en sièges, ils ne l'ont pas en voix, puisqu'ils ont réuni 47,3% des suffrages le 21 décembre dernier. Le parti de Carles Puigdemont, qui est en Belgique, a devancé son rival et ancien associé ERC, dont le leader, lui, est en détention, ce qui est assez surprenant, d'autant plus que le parti de Puigdemont se présentait pour la toute première fois seul. C'est la toute première fois en 30 ans. Et à vrai dire, je parle de parti, mais c'est surtout sur son propre nom, dans les termes que j'ai décrits tout à l'heure, qu'il s'est présenté avec succès. Il y a quatre dirigeants indépendantistes catalans qui sont aujourd'hui en détention préventive et qui ont été maintenus en détention préventive. Trois, après leur placement en détention préventive, se sont présentés aux élections du 21 décembre et ont été élus. Tout comme ont été élus
après leur exil choisi en Belgique, quatre anciens membres du gouvernement catalan, Carles Puigdemont bien sûr, mais aussi Anthony Comín, Luis Puig et Meritxell Serret et Clara Ponsati. Alors je terminerai en vous demandant, parce que j'ai beaucoup mobilisé la parole, et si vous voyez une différence entre les deux photos. Oui, le drapeau. Alors les experts de la vie politique catalane ont vu une autre différence, c'est le degré d'ouverture de la porte. Elle a été largement entrebâillée le 4 octobre 2017 sur cette photo et de plus en plus resserrée le 21 octobre 2017. Mais vous le voyez, le principal changement quand même entre les deux photos, c'est l'apparition du drapeau européen. Ça a l'air d'un détail, mais ça n'en est évidemment pas un, parce que le discours de Carles Puigdemont, bien avant de voir que l'Union européenne ne réagissait pratiquement pas aux violences policières du référendum du 1er octobre, bien avant cela, il y a eu un discours de plus en plus favorable de sa part, de la part d'un dirigeant catalan, au référendum sur le Brexit. Et au lendemain de ce référendum qui a approuvé le Brexit au Royaume-Uni, Carles Puigdemont a déclaré que c'était la preuve que l'on pouvait prendre en Europe des décisions souveraines. Et cette déclaration, elle n'est pas isolée. Il y a de plus en plus une tendance de Carles Puigdemont à prendre le Brexit comme référence, même de sa propre initiative lorsque la question ne porte pas là-dessus. Alors qu'il pourrait, au contraire, parler de ses homologues écossais qui se sont fortement, je parle des indépendantistes, mobilisés contre le Brexit, qui n'ont pas obtenu gain de cause, mais qui ont clairement mouillé la chemise, si vous me passez l'expression, contre cette décision. Alors pour conclure, tout d'abord, merci pour votre patience. La crise catalane reste aujourd'hui ouverte. On pouvait attendre une clarification du scrutin du 21 décembre. Elle n'est pas arrivée. Les positions sont pratiquement les mêmes. Si ce n'est que le Parti populaire est extrêmement fragilisé, il l'est évidemment à l'échelle de la Catalogne où il a connu son pire score historique, mais il l'est à l'échelle de l'Espagne puisque Ciudadanos apparaît de plus en plus favori pour lui succéder en 2020 logiquement, voire avant si jamais il y a des élections. Et surtout, la société catalane est fracturée. Elle l'est notamment parce que, de plus en plus, il y a un discours selon lequel, pour être catalan, il ne faut pas seulement se sentir bien en Catalogne, vivre, travailler et exprimer son attachement à la Catalogne, il faut aussi, de plus en plus, exprimer son attachement à l'indépendance. Pour un certain nombre de dirigeants indépendantistes catalans, malheureusement, c'est devenu explicitement une condition pour être considéré comme catalan, et sans laquelle on est considéré comme espagnol, avec plus ou moins de vocation à rester en Catalogne. J'ai l'air d'exprimer une réalité extrême, voire d'exagérer. Malheureusement, dans certains discours, on en est là. Aujourd'hui, les opposants à l'indépendance sont de plus en plus mobilisés, d'où la réussite de Ciudadanos lors du dernier scrutin, le parti ne pourra évidemment pas gouverner, mais il est arrivé en tête.
Et on peut néanmoins, malgré ces fractures, parce que le débat sur l'indépendance s'est invité dans le cercle amical, dans le cercle familial, et a provoqué des ruptures, clairement, on peut néanmoins garder un petit espoir en tenant compte de la réaction citoyenne massive contre les attentats de cet été en Catalogne. Il y a eu deux manifestations de rejet de ces attentats en Catalogne, l'une le lendemain de l'autre. Il y en a une, donc vous avez forcément vu les images à Barcelone, avec la presse du monde entier et au premier rang, beaucoup de drapeaux indépendantistes. Et puis la veille, non pas à Barcelone, mais à Cambrils, l'autre ville frappée par ces attentats, il y a eu une manifestation, cette fois sans couverture médiatique internationale ou presque. Et vous le voyez, l'absence de médias a contribué à ce qu'il n'y ait pas un seul drapeau, quel qu'il soit, pas une seule bannière dans le cortège de Cambrils, et uniquement le souvenir et l'hommage aux victimes des attentats, et pour ceux qui ont été touchés par ces attaques, et tous ceux qui leur sont venus en aide, il n'y avait plus ce jour-là, à cet instant, ni drapeau, ni parti politique, ni préjugés, mais uniquement des citoyens d'Espagne, de Catalogne, venant en aide à d'autres citoyens. Je vous remercie beaucoup. Alors, les raisons de vouloir, les motivations du mouvement indépendantiste sont plurielles. Ça veut dire que selon la personne que l'on interroge, parmi ceux qui aujourd'hui, au terme d'une certaine évolution personnelle, veulent l'indépendance, les uns et les autres pourront mettre en avant différents motifs. Pour les uns, ce sera le reste de l'Espagne, dont la corruption est très importante, prive la Catalogne des ressources financières qui permettraient par exemple à la Catalogne de résoudre la crise financière et d'en finir avec les mesures d'austérité. Alors l'aspect économique du discours indépendantiste, c'est ancien, c'est très ancien même, puisque dès l'origine, la perte par l'Espagne de ses dernières colonies de Cuba et des Philippines en 1898, ça a été l'un des principaux arguments pour envisager l'avenir de la Catalogne hors d'Espagne, c'est l'Espagne protège mal les intérêts économiques de la Catalogne, dans un contexte où la Catalogne a été la première région industrialisée d'Espagne. Mais aujourd'hui, ce discours économique, il a pris beaucoup plus de force avec la crise économique. Ces arguments étaient prêts depuis bien plus longtemps, mais avec la crise économique, ils se sont renforcés avec l'idée que si la Catalogne avait déjà pris son indépendance, les dirigeants catalans n'auraient pas eu à prendre des mesures d'austérité et pourraient venir en aide aux Catalans les plus fragiles. Pour d'autres, il y a certes cet argument, mais il y a aussi l'argument de l'antériorité démocratique de la Catalogne par rapport à l'Espagne, c'est-à-dire l'idée que depuis plusieurs siècles, l'Espagne, comprendre Madrid en particulier, a opprimé la Catalogne, l'a privée en 1714 de ses institutions démocratiques. Après, là, c'est pour ça qu'on fête le 11 septembre en Catalogne. Une indépendance ne serait pas un saut dans l'inconnu, mais la légitime restitution d'une situation historique préférable et d'une situation historique juste. Il y a aussi
ceux qui mettront en avant le fait que, certes, les Catalans se sont d'emblée et très fortement engagés dans la construction européenne, mais ils n'ont pas été payés de retour. Et le fait que jamais, malgré des demandes particulièrement réitérées, le catalan n'est accédé au rang de langue officielle de l'Union européenne, avec beaucoup plus d'habitants, donc de locuteurs, que le maltais et le chypriote, c'est la preuve de ce que, malgré ce que la Catalogne a construit, seuls les États pèsent au sein de l'Union européenne. Et ce discours a été particulièrement vigoureux à partir du plus grand élargissement, celui de 2004, à Malte et à Chypre notamment, c'est-à-dire en partie à des États récents d'une part et d'autre part beaucoup moins peuplés que la Catalogne, et l'accession de leur langue au rang de langue officielle puisqu'il s'agissait de la langue d'État membre. Ensuite, il y a ceux qui considèrent que dans cette suite d'oppression historique de l'Espagne contre la Catalogne, l'Espagne est restée franquiste. Et que toute l'Espagne était franquiste, et surtout que toute la Catalogne était anti-franquiste. Dans les deux cas, on pourrait vraiment en discuter parce que la réalité est plus complexe. Et puis, c'est oublié qu'il y a eu un affrontement pendant la guerre civile au sein de la gauche catalane. Mais tout cela peut contribuer à motiver le sentiment indépendantiste. Ça et ce dont j'ai dit quelques mots, la chute des grands idéaux et le fait que, avec la crise, savoir de quoi demain sera fait est particulièrement compliqué à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un foyer, et que savoir de quoi l'année prochaine sera faite pour la Catalogne sur le plan institutionnel est encore moins évident. Je l'ai dit, le contenu de l'indépendance n'a pratiquement jamais été débattu en Catalogne. Ça a été très rarement fait, en tout cas de façon contradictoire. À partir du moment où le contenu de l'indépendance n'est pas précisé, ceux qui défendent l'indépendance ne se ferment fondamentalement aucune porte. Parce que chacun peut, et ça a été le cas pendant des années, des décennies, projeter ses propres aspirations sur l'idée d'indépendance, un peu l'écran blanc de l'indépendance. Donc, il y a des motivations individuelles assez différentes d'un parti à l'autre. Et puis, il y a aussi, vous l'avez dit, le facteur politicien et le fait que, par exemple, parler d'indépendance, ça évite de parler de ce qui fâche en Catalogne, de ce qui met en cause des Catalans par rapport à d'autres Catalans, des mesures d'austérité prises en Catalogne et puis des scandales de corruption qui affectent aussi des partis catalans. Il y a quelques jours, il y a eu le jugement d'une des affaires de corruption ayant secoué le parti auquel appartenait avant Carles Puigdemont, parti qui a été dissous précisément en raison de ces affaires de corruption et qui a été explicitement condamné par ce jugement. Merci. Je me demande s'il y avait une sociologie des indépendantistes pour et les contre, en quelque sorte. Est-ce qu'on retrouve... ça, c'était ma première question, mais j'en ai une autre. Si, avec un « si Rajoy avait accepté, quand il a fait l'Écosse, cette consultation, il lui avait donné un tour officiel, que serait-il passé ? Parce qu'on a quand même l'impression que
Oui. Alors, pour la sociologie des indépendantistes catalans, ou des catalans sur cette question, les indépendantistes sont assez divers sur le plan sociologique, les opposants à l'indépendance aussi, toutefois. Comme on le voit à l'échelle de la ville de Barcelone, et notamment de ses quartiers les plus populaires, les Catalans les plus modestes sont rarement, il y a des exceptions bien sûr, les plus favorables à l'indépendance. Parce qu'ils considèrent, dans la plupart des cas, non seulement qu'ils ne sont pas suffisamment catalans pour se sentir bien dans une république catalane, mais aussi qu'ils ont le plus à perdre en cas d'indépendance. Et c'est ce qu'on voit dans le fait que l'allié catalan de Podemos et Ciudadanos ont pu se partager une partie des mêmes électeurs en 2015, et cette fois aussi, parce que sans soutenir, loin s'en faut, le Mariano Rajoy, l'opposition à l'indépendance est un motif de vote très, très puissant. Concernant la possibilité pour Rajoy de faire comme David Cameron l'avait fait pour l'Écosse, il y a une différence sensible entre les deux situations. C'est le fait qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas, au moment où David Cameron signe les accords d'Édimbourg avec Alex Salmond, un autre territoire au sein du Royaume-Uni ayant un projet aussi mûr de référendum d'indépendance et un mouvement indépendantiste d'une force comparable à celui de l'Écosse. Ça, ce dont je parle ici, c'est le fait que dans le cas du Royaume-Uni, il n'y a pas d'équivalent du Pays Basque. Et le Pays Basque a depuis bien plus longtemps que la Catalogne le projet d'un référendum sur l'autodétermination et le projet d'une indépendance. Alors tous les Basques ne sont évidemment pas d'accord là-dessus, mais ce projet a été explicitement présenté avant, bien avant que l'on parle officiellement d'indépendantisme en Catalogne. Et ce projet est toujours à l'ordre du jour pour une partie des nationalistes basques. Ce qui veut dire que, même si on entre dans la quatrième dimension avec la phrase que je vais prononcer, mais en imaginant que Rajoy ait approuvé, autorisé ce référendum en Catalogne, il y aurait eu une autre demande, au moins celle des nationalistes basques. Maintenant, il est vrai que le 1er octobre, si ce sont principalement les partisans les plus fervents de l'indépendance qui se sont mobilisés, il y a eu aussi des électeurs catalans qui, sans approuver l'indépendance, se sont mobilisés et ont voté oui ou se sont abstenus, mais ont fait le déplacement, avec les risques que cela comportait, pour exprimer la plus vive opposition à Mariano Rajoy pour sa politique menée à la fois en Catalogne et à l'échelle de l'Espagne. Et faire le plus grand pied de nez possible à ce leader qui représente pour eux à la fois l'austérité et la corruption. Donc oui, ça joue. J'ai pas répondu à qu'est-ce qui se serait passé. On a une partie de la réponse avec les résultats du référendum interdit, mais sans usage de la violence policière par Madrid, du 9 novembre 2014. On va l'arriver. Voilà. Le 9 novembre 2014, il y a eu un référendum sur l'indépendance, ou plus exactement, car chaque mot compte, une consultation non référendaire sur l'indépendance. Il y a eu environ 2 millions de participants, un peu plus de 2 millions de participants. Comme le 1er octobre 2017, mais cette fois, encore une fois, sans usage de la force ni par la justice ni par le gouvernement central.
Et vous le voyez, les zones les plus foncées, qui correspondent à la plus forte participation, correspondent assez largement, pas en totalité, mais quand même assez largement, aux zones où le vote pour CIU, le vote pour les nationalistes catalans, est le plus ancien et le plus fort. Les opposants à l'indépendance avaient appelé à boycotter le scrutin et ils ont été assez largement entendus par les opposants à l'indépendance ou tout simplement par ceux qui avaient un doute sur le bien fondé d'une indépendance. Alors la tenue de ce scrutin, malgré l'interdiction par la justice espagnole et par le gouvernement central, a eu des conséquences judiciaires, par exemple l'ancien président du gouvernement catalan, Artur Mas, qui a été condamné à une très forte amende et à 2 ans de privation de toute fonction publique et 2 ans d'inéligibilité après ce scrutin. Donc ça donne un indice sur le fait que même dans des conditions où, certes, il n'y avait pas de conséquences légales, mais pas d'usage de la force, il y a eu un peu plus de 2 millions, c'est-à-dire un peu moins de la moitié des Catalans appelés à se mobiliser, d'appeler à voter, sachant que l'on pouvait voter à partir de 16 ans et à condition d'être inscrit sur le registre d'état civil d'une commune en Catalogne, y compris si on était de nationalité étrangère. Donc il n'était pas obligatoire d'être espagnol pour voter à ce scrutin. Et puis on pouvait voter en France, par exemple, et dans d'autres pays, via les délégations du gouvernement catalan à l'étranger qui ont été fermées dans le cadre de l'article 155, 2 ans plus tard. Enfin, 3 ans plus tard, pardon. Sauf celle de Bruxelles. Merci. Je voulais savoir quelle était la réalité de l'influence économique, de la déstabilisation économique liée à ce référendum à Barcelone. Alors, cette déstabilisation est quand même assez forte, puisqu'on a eu autour de 3000 entreprises qui n'ont pas quitté la Catalogne, mais qui ont annoncé la décision de déplacer leur siège social de la Catalogne vers une autre communauté autonome d'Espagne, Madrid par exemple, mais aussi la communauté valencienne dont j'ai parlé au début. Et l'ampleur de ce mouvement n'a certainement pas été anticipée par les dirigeants indépendantistes catalans. Il y a eu auparavant, sur une plus longue période, d'autres entreprises qui ont quitté la Catalogne, en partie au moins pour des raisons politiques, pour des raisons de crainte d'instabilité ou de mauvaise protection de leurs intérêts. Mais ce mouvement s'est particulièrement amplifié avec le référendum et ce mouvement n'a pas été inversé en totalité avec l'application inédite en Espagne de l'article 155 en Catalogne. Donc ça reste un problème important et il n'est pas sûr qu'il puisse être entièrement résolu lorsque certains dirigeants catalans indépendantistes y voient la preuve du poids économique de la Catalogne en Espagne, c'est-à-dire, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont décidé de quitter la Catalogne. Et ensuite, il y a eu les grèves en Catalogne pour protester contre l'application de l'article 155. C'est la preuve de notre pouvoir de nuisance économique en Espagne. Donc le problème reste assez sensiblement entier, d'autant plus que
L'idée de convaincre les entrepreneurs catalans, c'est d'essayer de les convaincre, c'est une constante du mouvement indépendantiste catalan depuis l'origine, puisque l'idée économique est, dès le début, présente dans l'argumentaire pro-indépendance depuis plus d'un siècle. Merci. D'autres questions ? Vous avez une question pour ce soir ? Une dernière question. Merci. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question sur le fait que les nationalistes, les indépendantistes, à partir du moment où ils sont nationalistes, c'est la revendication d'une nation, c'est-à-dire un territoire, mais aussi un sentiment de différence et d'appartenance particulière qui ne serait pas celle de l'Espagne. Appartenance à l'Espagne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça ? Alors, vous soulevez un point crucial. L'idée que la Catalogne constitue une nation, donc une communauté culturelle, historique et de destin, elle est approuvée par une majorité des parlementaires catalans, y compris dans la nouvelle assemblée. Au-delà des trois partis indépendantistes dont j'ai parlé. C'est pour ça que dans la toute première version de la réforme du statut d'autonomie catalan, le préambule qualifiait, et ça a créé une crise en Espagne, un immense débat, ce préambule qualifiait la Catalogne de nation, sachant que la Constitution espagnole de 1978 qualifie la Catalogne, le Pays basque et la Galice de nationalité en ne reconnaissant de nation que la nation espagnole. Le fait de se sentir plus catalan qu'espagnol, voire uniquement catalan, c'est bien plus ancien que le fait de prôner ouvertement l'indépendance en Catalogne, et ça n'a pas toujours eu de conséquences politiques immédiates. On peut vivre dans un pays et s'y sentir bien, tout en se ressentant l'appartenance à un autre pays. C'est le cas, par exemple, des ressortissants européens vivant en France, qui peuvent se sentir, par exemple, espagnols, tout en vivant bien en France, sans envisager d'acquérir la nationalité française. Jusqu'à une période très récente, parce qu'il y a très, très régulièrement des enquêtes sur le sentiment d'appartenance, précisément, est-ce que vous vous sentez plus catalan qu'espagnol, aussi catalan qu'espagnol, plus espagnol que catalan, Eh bien, lors de ces enquêtes extrêmement fréquentes, jusqu'à une période très récente, ceux qui se sentaient aussi catalans qu'espagnols ou aussi espagnols que catalans étaient majoritaires. Ça veut dire que tout ce que l'indépendantisme catalan a mis en œuvre, par exemple les très grandes manifestations organisées depuis le 11 septembre 2012, en Catalogne ou ailleurs comme en Écosse, ça a visé notamment à parler au reste du monde, bien sûr, mais à convaincre en Catalogne même les indécis. Et les indécis, c'est un électorat important, parce que, même si on peut en douter avec la participation aux dernières élections, il y a au moins trois mouvements, partie de l'opinion en Catalogne, les pro-indépendance, les opposants à l'indépendance et ceux qui n'ont pas d'avis absolument tranché sur cette question, ceux qui prônent une troisième voie, même si les deux parties prenant une troisième voie ont été plutôt mis au second plan lors de cette élection. Mais ce sentiment d'appartenance n'a pas toujours eu de conséquences électorales.
Ce sera la question de la fin. J'espérais être sauvé par le gong. Non. Alors, les partisans de l'indépendance, qu'il s'agisse des militants, des électeurs et des dirigeants, n'ont certainement pas renoncé à l'objectif de l'indépendance. Je vous l'ai dit, l'idée de l'indépendance, elle naît en 1898, avec des hauts et des bas, mais c'est une idée ancienne. Donc ils n'y ont certainement pas renoncé. Les opposants à l'indépendance, les plus déterminés, par exemple ceux qui ont voté Ciudadanos, il y a plus forte raison, les dirigeants de Ciudadanos, n'ont certainement pas non plus renoncé à s'opposer à l'indépendance par tous les moyens légaux. Il faut bien comprendre que Rajoy, ce n'est pas la seule donnée du problème. Parce que cette question d'indépendance oppose des Catalans entre eux. Et c'est un problème pour la Catalogne, pour l'Espagne, pour l'Union européenne, parce que s'il y a peu de partis politiques, de mouvements indépendantistes aussi puissants que celui de Catalogne, celui du Pays Basque, celui de Flandre en Belgique, celui de Corse, celui d'Écosse, c'est vrai que ça commence à faire une liste importante, mais on est encore aujourd'hui 28 dans l'Union européenne. Donc, tous les partis prenant soit l'indépendance, soit plus d'autonomie, soit la reconnaissance de certains particularismes, ne sont pas du tout dans la même position de force dans l'État qu'ils souhaitent quitter ou obtenir davantage. Le raisonnement qui est à l'œuvre en Catalogne, lui, peut se propager de manière beaucoup plus rapide et efficace. C'est-à-dire l'idée que, avec un vote, quelle que soit la façon dont on l'organise, eh bien, on peut remettre en cause du jour au lendemain le vivre ensemble, des institutions qui n'ont pas vocation à être inflexibles, inamovibles, mais qui ont pris des années de compromis de part et d'autre pour être construites et raisonnablement acceptées, que tout ça puisse être remis en cause. Et il est significatif, on ne peut pas généraliser, mais qu'il y ait eu de la part de Carles Puigdemont, mais aussi de la part, différemment d'autres indépendantistes catalans, un rapprochement, au moins dans le discours, des arguments des partisans du Brexit au Royaume-Uni, je reviens là. Il y a eu, dans un débat auquel j'ai participé il y a quelques semaines, une universitaire membre de l'Assemblée nationale catalane, immense association pour l'indépendance, considérait que, une sortie de la Catalogne de l'Union européenne en cas d'indépendance était de plus en plus discutée au sein du mouvement, pas seulement à l'extérieur, et que, se disait de plus en plus, sans que ce soit majoritaire ou unanime, que si la Catalogne ne pouvait pas appartenir à l'Union européenne, eh bien, elle pouvait adhérer beaucoup plus facilement à l'Association européenne de libre-échange, et que là, l'Espagne ne pourrait pas faire obstacle, que l'appartenance à l'espace Schengen pourrait être négociée en passant là aussi par d'autres canaux que les canaux officiels, que l'utilisation de l'euro, parce que les dirigeants catalans n'ont vraiment pas dans leur projet, ou alors ils le cachent bien sur le plan des indépendantistes, une autre monnaie que l'euro hein, pour une Catalogne indépendante. Donc, que l'appartenance à la zone euro, ou en tout cas l'utilisation de l'euro, pouvait là aussi être négociée et que, dans les faits, certains États utilisent principalement l'euro sans appartenir à la zone euro.
Et ce discours, elle n'a pas dit que c'était unanime, et je ne crois pas que ce soit unanime parmi les indépendantistes catalans, mais le seul fait que ce discours existe, ça, si un indépendantiste catalan s'était endormi dans les années 80, 90, voire début 2000, s'il avait fait, mais vraiment, un très grand somme, un somme très profond, et qu'il s'était réveillé lors de cette conférence, je pense qu'il aurait repris ce sommeil encore plus profondément, voire qu'il aurait été sujet à une défaillance cardiaque, parce que vraiment, ça va à l'encontre d'années, de décennies d'engagement, qui était un engagement risqué, qui était une partie importante de l'engagement, encore une fois, contre le franquisme. On peut rappeler que parmi la multitude d'ouvrages dont la possession pouvait valoir de sérieux ennuis sous le franquisme, il y avait le traité de Rome. Et que Franco aurait été très content que l'Espagne puisse appartenir à la CE si la CE n'avait eu aucun droit de regard démocratique sur la façon dont il gouvernait l'Espagne. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc c'est vraiment très surprenant, et si j'insiste là-dessus au lieu de vous répondre directement, c'est pour vous montrer la difficulté qu'on a à prévoir la suite. La suite, elle réside en partie chez les citoyens catalans eux-mêmes, qui vont devoir essayer de reprendre une forme de vivre ensemble malgré toute la difficulté de la chose, parce que l'indépendance, voire l'ensemble des sujets politiques, il n'est plus possible d'en parler dans un certain nombre de contextes en Catalogne, dans certaines familles, entre certains amis, dans certains couples, etc. C'est une très grande difficulté, donc il n'y a pas de scénario évident. Cela dit, s'il est probable que, tout comme pour la présidence du Parlement, les indépendantistes devraient trouver, d'une façon ou d'une autre, en tout cas de la façon la plus médiatique possible, une façon de continuer à gouverner la Catalogne, il est possible qu'ils mettent de côté, au moins provisoirement, ce qu'on appelle la voie unilatérale, c'est-à-dire rendre explicite, la plus explicite possible, l'engagement vers l'indépendance, la négation de la légalité espagnole, en particulier du tribunal constitutionnel, et qu'ils choisissent d'aller d'une autre façon, peut-être plus lentement, vers l'indépendance, peut-être une forme d'indépendance de fait, je parle de leur projet, sinon de droit, mais il y a un certain nombre de digues qui semblent en train de se fragiliser, j'espère pas la digue du refus de la violence, mais en tout cas, pour certains indépendantistes catalans, l'engagement européen est peut-être remis en cause. Merci. Merci à vous.